ne va jamais vous aider, parce qu'il n'existe pas en République démocratique du Congo un parti politique qui a la majorité absolue, ou bien une majorité, disons, de 250 plus un député. Ça veut dire que tous ces groupes des politiciens, ce qu'ils doivent faire pour avoir une majorité, ils sont obligés de créer des coalitions. Donc vous êtes obligés de vous entendre entre vous. Et dans ce cas ici, imaginez un peu que vous êtes en train de vous entendre maintenant en tant que tribu, parce que vous n'êtes pas vraiment des partis politiques, ce sont des groupes d'intérêts de certaines tribus. Donc c'est comme ça que les Congolais doivent voir ça. Quand vous entendez parti politique en République démocratique du Congo, vous devez quand même un peu enlever l'image d'un parti politique, parce que ce n'est pas vraiment des partis politiques, ce sont des intérêts des tribus. Oh!